Tu vois, c'est toujours comme ça que ça commence. Tu penses avoir trouvé la personne qu'il faut, puis finalement, ça se passe pas comme c'était prévu. Enfin, comme tu l'avais prévu. Je sais pas moi, par exemple, t'as un projet en tête, tu te dis avec telle et telle personne, ça va le faire. Et puis, bah non, ça le fait pas. Et là tu te dis, ouah, ça c'est un plan à la con. Au début, le projet emballe tout le monde. On se dit, ça va être super, c'est une putain de bonne idée. Et puis d'un seul coup, il y a un truc. Et là, il y a un truc qui sépare les gens, qui leur fait voir l'avenir différemment. Et là, tout part en couille. Ça s'appelle une divergence d'opinion. Un peu comme toi et moi, quoi. Un peu comme Dream Theater et son batteur. Sauf que, sincèrement, c'est le chanteur qui aurait dû se barrer. Bon, ok, toi et moi, c'est pas les mêmes enjeux. On n'est pas un groupe de rock progressif, je te l'accorde. De quoi tu parles? Mais d'un autre côté, on n'aura pas les droits d'auteur à se partager. Juste la garde de la petite. Ah mais non, j'oubliais. Si l'un des deux parents disparaît, l'autre hérite de tout. Mmh.